donné ton numéro, Ellie, au chip. Si on trouve une personne, ah, il connaît ce monsieur, il est à vous. Le monsieur de Miguel de Las Vegas. 15 000 balles pour lui péter les mains. Quoi, Miguel de Las Vegas? Si, non, pas de Las Vegas, c'est le monsieur qui bosse au vignoble. Il a rencontré les pommiers. 15 000 balles pour enlever une personne, c'est pas cher de payer. C'est vrai que c'est pas cher. Hein. Oh, pas cher. À un moment donné, on n'est pas des low cost. Faut qu'on fasse un tarif. Putain, fait chier, il faudra qu'on fasse une plaquette. Mais enlèvement, pas moins des... sous un enlèvement quand même. Je sais pas combien on prendrait si on se fait attraper. Il faut faire en fonction de ça. Si, Smoke. Ouais. Il vient d'avoir un contrat, on propose d'enlever une personne pour 15 000 balles. Attends, combien Attends. 15 000 balles pour qu'il enlève une personne. 15 000 balles pour un enlèvement? Si. Tu dois enlever qui? Miguel de la Vega. C'est qui t'a demandé ça? Les Lost. Fils de pute. Je te donne la même chose si tu le fais pas, gros. C'est bon ou pas? En fait, je t'explique. Le patron du vignoble, c'est un ancien flic qui s'appelle Madère. Ok? Si. Cet ancien flic-là, en fait, il est plus du tout dans cette boîte et ainsi de suite. Il s'en bat les couilles et il vend de la coco pour les Lost. Si. Du coup, en fait, moi, de la Vega, c'est un bon pote à moi. C'est le numéro 2 du vignoble, et il m'a proposé une grosse somme d'argent pour tuer Madère. Intéressant. Donc si tu veux Madère, on le chope à deux, on fait moot-moot. On a failli shooter une Lost. Non, il faut y aller, brief mon chauffeur. Pas shooter le Lost. Combien il y a pour les têtes de Madère? Je sais pas, mais il y a pas loin d'un demi-million, je pense. Un demi-million si on tue... Monsieur Madère. Ouais. Il est sous protection des Lost. Il est sous protection officielle de rien du tout. Et j'en ai rien à foutre de la protection, gros. Et en fait, ce qui se passe, c'est que De La Vega, il remue la merde. Mais en fait, je pense que les Lost, ils braquent le vignoble toutes les 10 minutes. Et Madère, elle laisse tout faire, en fait. Je suppose même que Madère donne un pourcentage de ses dividendes chaque mois, enfin chaque semaine, aux Lost. Faut qu'on mette ça en place doucement. Tu peux compter sur nous. On nous a tendu la main, on va rendre l'appareil, on va choper ces Madère et on va le tuer. Et pour les boosts Je te le file. Je t'ai dit que je te filais la même somme pour que tu le cambrais le pas, je te file un bus. C'est bon ou pas? À la place. Bonne nouvelle, on se rappelle demain, Smoke. Ouais, ça marche. Bon. Et maintenant, faut plus attraper Miguel de la Vegas pour 15 000. Il est réussi à la place. On a gagné une vanne pour le pas choper de la Vega. C'est cadeau. Allez. Donc on a une vanne verte. Au début, il me filait 15 000. Maintenant, c'est une vanne équipée. Il faut y répondre à... telle heure. Sans nous, désolé. Il me dit combien il veut. Au pire, tu dis que tu as fléchi, tu reviendras vers lui demain. Salut. Salut, Ethan. Ethan, combien on risque pour un enlèvement? Ça, j'en sais rien, mec. C'est toi qui braques depuis tout à l'heure, du coup. Et ce palette? Si, mais on a plusieurs équipes qui tournent. Ah, si t'en as encore, tu me ramènes du coup. Hein. On en a encore 125 au moins, plus. Combien on en a encore des stockés? Oh, bonne question, je parie. Ah, c'était 180, on est d'accord, c'est ça? Si, ouais, si, c'est 180. Si. Et regardez, on risque 75 000 d'amende. Enlèvement et circulation. Donc, il a dit. Bah, il a rien dit, il dit, c'est la merde, il dit tout calme. Il voulait me coucher et en fait on va continuer de faire des allers-retours. C'est le business qui commence. Tant que l'argent rentre, c'est le principal, non? Heureux. Bonjour. Heureux. Qui y paye? N'importe. N'importe. Vous avez pas eu de soucis sur les supérettes? Alors les trois premières, on a eu les flics dont la première s'est fait tirer dessus. Si, ils se sont fait tirer dessus. Et les trois, non, après ça va, ils sont bas. Au niveau conduite, ils sont pas ouf. Hein. Ouais, non, clairement. Bon bah demain du coup. Ouais, demain, bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Ah si, attendez, faut qu'il vous donne des sous. Moi ici, il n'y a pas trop de sous là, mais ça vous permet vous d'avoir de l'avance si vous devez payer du monde. Yep. Et ça fait 20, 30, ça fait une soirée à 50 000, c'est pas mal. C'est pas mal. Déjà, on a gagné une vanne, c'est bien ça. Oui, et puis on a gagné de la weed aussi parce qu'on la paye pas la weed. Et on a deux mecs ou quatre mecs qui bossent pour nous. Ça monte pas le compte en banque, mais ça monte déjà aussi la position. Et il arrive au plus vite.
comment ça va? Eh, ça va bien toi, Esti? Ça va. Bon, j'ai une question à te poser, deux en réalité, à te poser. Et pose deux questions. Première question, certes, je suis allé deux fois chez les flics pour des raisons que je t'avais expliquées, mais que tu... enfin, que j'ai jamais réussi à t'expliquer, que tu n'as pas compris. Uniquement dans mon... pour mon unique intérêt. Mon plan n'a pas fonctionné. Enfin, mon plan que j'ai élaboré par la suite n'a pas fonctionné. Donc ça, c'est fini. Je comprends que tu puisses douter de moi, que j'y sois allé deux fois en deux jours. Mais message que tu peux me faire confiance. Sinon, pour quelle raison j'aurais assassiné quelqu'un sans aucune hésitation quand tu me l'as demandé sur le ponton? Je comprends que tu puisses avoir des doutes, mais moi je t'apporte des réponses. À aucun moment tu ne pourras douter de moi. À aucun moment je ne te ferai une crasse dans le dos. Deuxième question. La famille, c'est important, on est d'accord? Si. De la famille, j'en ai plus. Elle a été assassinée il y a de cela maintenant 9 ans ou 10 ans. Par un type que, visiblement, je ne retrouverai jamais. Je pensais qu'il était là. Je suis allé voir la LSPD au début pour savoir s'ils avaient des informations sur ces personnes. Il n'est pas ici. Donc, je suis assoiffé de meurtre actuellement, de vengeance. J'avais 12 ans, Miguel. J'avais 12 ans. Donc, je peux être un connard. Je peux être con, tout simplement, pas forcément très fut-fut, pas forcément très, très intelligent. Mais je serai là pour toi. Jamais je te trahirai. Tu m'as apporté ce que je n'ai plus depuis longtemps, un début de famille, de ce que j'avais cru comprendre. Maintenant, à toi de voir ce que tu fais de moi. Mais moi, il n'y a aucun problème. Aïsti, c'est pas un problème. Ben, c'est pas ce que j'avais cru comprendre tout à l'heure. Mais non, il était dit que moi, j'ai besoin de vérifier que tout va bien. Ça me stresse que tout soit de mettre en dessous. Et moi, il y a les vagos, c'est Payne qui me dit que tu assumes pas, que tu te caches, que tu reviens faire du pognon, qu'un coup tu dis que tu travailles avec moi, un coup tu sais pas. C'est important d'avoir de la crédibilité dans la roue. Donc, on peut pas être au four et au moulin. C'est bien, toi, des bonnes idées, mais des fois tu pars un peu en vrille. Et surtout, à chaque fois qu'il cherche où tu es à la police, il t'a pas demandé de te justifier. Il t'a dit juste, tu m'envoies ce matin un message et tu me dis. Il note sur le doc combien il est vendu, ou il me le note dans une pince-bête sur le téléphone et il dit à votre nouveau préféré. Mais parce que j'ai l'impression que depuis deux jours, et peut-être à cause des flics, du fait que je sois chez les flics et que tu te poses des questions, mais j'ai l'impression d'être en retrait en fait. Si, mais et moi tu me vois pas comme ça. Il y avait rien si de si, si t'as un problème, tu viens, on discute. Tu m'envoies pas un message à m'inscrire des jalousies des enfants des 12 ans. C'est pas les remises des diplômes. Tu viens me voir, tu dis, Miguel, j'ai un problème, et il comprend pas pourquoi. Il te dit, voilà, moi, il y a un doute, ça arrive. Et il ne veut pas te mentir, il y a un doute, ça fait beaucoup de choses. Il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Je sais que tu as planté une personne pour moi, il était là. Mais il y a aussi un doute de dire qu'à un moment donné, il ne sait pas. Donc, il te teste. Si à ça, tu me réponds comme une jeune fille qui va passer son bal de promo et qui se dit que peut-être à la fin de la soirée, son cavalier va lui mettre un doigt dans le cou, ça, ça ne m'intéresse pas. Et je suis désolé pour ta famille, c'est important la famille. Mais à un moment donné, si tu vois ce que je veux dire, ça peut pas être l'enfer. Donc moi, je suis toi, je me le prends, c'est pas un souci. Tu te le prends, tu avances. Mais c'est pas une question de préférer, j'ai besoin aussi de voir que tu en as dedans. Je vais essayer de bosser sur ça. Si, et viens me voir moi ou Ellie, mais ne crée pas des problèmes avec Pablo qui n'existe pas. Donc, n'essaye pas de comparer. Tu ne sais pas si Pablo, il ne le connaît pas depuis plus longtemps que toi, ou si Pablo, il n'a pas fait une chose. On l'a rencontré ensemble devant la banque, donc... Mais tu sais, ça, c'est ce que tu penses, toi. Des fois, la réalité, ce n'est pas forcément ce qu'on laisse montrer. Et tu verras que la chose la plus importante, ce n'est pas l'arme ou l'avion, c'est l'information. Si maintenant tu es remis, on peut aller bosser. Et la prochaine fois, s'il te plaît, Guillaume. Oui. M'emmène pas au fin fond du trou du cul du bordel. Désolé. Si yes, we focus. Y'a pas ce permis. C'est important d'avoir le permis de conduire. Y'a 6 ans c'était pas une obligation. Pero là maintenant les flics ils sont en doudou caleçon. Vagos, vagos, vagos. Ils disent ok. Vagos, vagos, vagos. Ils disent ok. Vagos, vagos, vagos. Ils disent ok. Vagos, vagos, vagos. Notre taxi est arrivé. Hola, comment estás? C'est un très beau 4x4. Ouais, mais c'est pas celui-là. Il faut y faire l'événement à qui?
Non, prenez en main. Je lui ai dit comme quoi tu lui donnais en main propre. Si, c'est possible. Il arrive là ? Il part du vignoble. C'est une personne des vignobles ? Si, c'est le gérant. Ah, bah, c'est Miguel de la Vega, c'est si. Que tu voulais enlever hier. Du coup, ce que je t'ai parlé hier. Si. J'ai deal 500 000. On fait moutmout. 250 pour toi, 250 pour moi. Pourquoi il veut les tuer ? Tuer une personne, c'est. Parce que le type. Alors, il y a deux solutions. D'abord, je vais lui mettre un coup de presse. C'est un bail logique, un premier okay. coup de pression. En mode, tu vends tes parts. Mais là, il va être dans la sauce, Madère. En fait, le truc, c'est que Madère, il bosse pour les Lost. Si, mais il va être dans la sauce, Madère. Ah, oh, putain. Ah, il y en a le fait des blagues. Madère, dans la sauce. Non. La sauce, Madère. Non. C'est. Personne ne lui avait jamais fait, celle-là. Non, non, enfin moi pas. Si, mais moi il y a la fée. La sauce Madère, on va les mettre dans la sauce. La sauce Madère. Aïe, on beaucoup. Nom de code de l'opération sauce. L'opération sauce. Et ça peut être qui peut. Sauce qui peut. Ah oh, ouais. Si, non ouais. Bon. Si. Donc d'abord un coup de pression, ça c'est important. Ouais. Si. Coup de pression. Mais un coup de pression par qui? Par quoi? Tu vends les parts. Si tu vends pas les parts. Il y était tout. Il y était tout. Il adore ça les blagues, hein. Il était fou une blague, mais il pense que ça sera pas ma dernière. Ouais, ok. Si, on te l'a ? Si. Il y en a plein comme ça. Ouais, coup de pression, tu vends tes parts ou sinon je te tout. Si, d'accord. Parce qu'il bosse pas dans son... Non, en fait, il est jamais là, il prend le salaire, mais il vend de la dope à côté. Il prend le salaire, il prend les dividendes, et il bloque toute l'entreprise en fait. Ils peuvent rien faire. Du coup, en fait, eh ben, genre, parce que l'entreprise elle tourne pour Madère, eh ben, là l'entreprise elle va tourner pour les employés. Parce qu'en fait, genre, tous les employés vont venir revendre leur cubi de vin chez Payne. Parce que moi je les récupère. Du coup, moi je les vends à Payne. Ils font pas des déclarations d'impôts, ça va pas dans les poches de Madère, c'est ça ? C'est ça, ils font pas la déclaration, c'est pas vendu aux clients du vignoble, c'est vendu sous le bras dans la ville. Si. Et du coup, en fait, Madère il touche pas dessous. Mais en gros, genre, si non, type, tous les camions il les ramène. Donc en fait, une entreprise qui paye des impôts, si elle sort des choses comme ça, elle peut ne pas payer d'impôts en vendant un pain. Faire un peu des pognons en plus pour pas payer les impôts c'est au gouvernement. Ouais, c'est un type qui est genre le plus rentable, c'est la ferme et le vignoble. Les autres, c'est de la merde. Okay. En fait, parce que là, le truc, c'est qu'ils ont pas le droit de faire grève. Bah, faire grève, pourquoi ? Bah, parce qu'ils voulaient faire grève parce que Madère est pas là et qu'il fait, de la merde. Sauf qu'ils ont pas le droit. La grève serait refusée. Du coup, eh ben, genre, une autre solution pour qu'il fasse grève, bah, c'est de plus travailler en fait. Enfin, plus travailler pour Madère. Donc, il travaille, sauf que bah, les fûts, ils les vendent. Et c'est dingue qu'il fait appel à toi et pas à la police. Mais il a essayé en fait. Et la police s'en fout. Mais la police, ils peuvent rien faire. Il n'y a pas de preuves. Il a le droit de pas bosser dans son entreprise. Moi, je suis intéressé, pero en deux fois. Il y a un premier contrat, je pense, qui est un enlèvement. D'abord, un premier contrat d'enlèvement, je pense, des 200 000 $. Et on fait moutoumout, 100 000 pour toi, 100 000 pour nous. Si ça ne marche pas, un contrat pour les tuer. Et là, c'est 800 000 qui restent. 400. Ouais, ça se fait. Faut que je vois avec lui, faut que je vois. Peu importe, moi j'avance les sous. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il va devoir racheter l'entreprise derrière. Donc faut qu'il lâche 5 millions, quoi. Donc en gros, je t'avance les sous à toi. Et en fait, lui, il me rembourse après sur tous les dividendes qu'il va toucher. Moi, la seule chose qui m'embête, c'est ça. C'est que Taylor, il me dit qu'il me propose pour péter les genoux de la Vega. C'est son problème. Parce que ça veut dire que donc, si on la sous, il est de Madère. Si les motards viennent dedans, ça va partir en sous-7. Parce qu'y aller à fond dedans pour se retrouver face au motard, à la Miuscodin qui est-il dessous, c'est pas la meilleure idée de l'année. Par contre, pourquoi une gang de motards qui fait du business s'associe avec une personne qui est une chef d'entreprise? C'est ça la question. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les motards, c'est des anciens subordonnés flics à Madère. Madère, c'était un des chefs de la police. Il ne peut pas me permettre, moi, de me mettre les motards à dos pour l'instant. C'est pas possible. Oh putain, oui. Oh là là là. Ah, je te disais, les moches. Hein. Ah, c'est brillant, brillant. Monsieur de la Vega, oui. Bonjour. Bonjour. Ah ben bonjour, monsieur Miguel, c'est bien ça? Exactement, vous allez bien? Oui, très bien, et vous? On s'était croisé au vignoble, je crois. Si, on s'était croisé. On m'a parlé de vous encore hier. Ah bon? Si, on m'a demandé de vous attraper pour vous péter les mains et les jambes, vous avez doigts de vilain. Ah bon?
Si, il faudrait qu'on parle de ça. Réfléchissez bien qui pourrait vouloir vous faire péter les mains et les jambes. Mais... Ah, je vois qu'une seule personne, mais je vois pas pourquoi cette personne voudrait me péter les doigts ou les jambes, étant donné que je fais tourner son entreprise. Mon ami ici présent m'a dit que c'était pas une bonne idée. Et quand il travaille bien avec les personnes, il écoute. C'est important. Bonjour, Mouyour. Bonjour, madame. Ça flash un peu comme ça, hein? Ah bah... Ouais, je l'ai acheté, il était dans ces coloris-là, je l'ai pas changé encore. Ouh, bah attendez, on va faire les choses directement comme ça s'est fait. Attendez, je vais vous donner les clés directement. Vous avez retrouvé des gens que vous connaissiez ou... Pas du tout, si, une personne. Pas du tout. Je suis vraiment navré de ce qui vous est arrivé en tout cas. Et quoi qu'il y ait votre numéro, non, il regarde. Quel est votre numéro 4325. La transaction financière a déjà été effectuée? Si. Oui, tout à fait, oui. Pour quel montant, s'il vous plaît? Pour un montant de 20 000 dollars. Pour lequel vous demandez les montants? La procédure, on demande le montant pour s'assurer que la transaction, et c'est d'ailleurs l'objet de ma prochaine question, est-ce qu'elle a bien été libre et consentie? Oui, tout à fait. Yuyu vous amène quelqu'un qui n'est pas libre, vous est saoul, vous le saurez pas. Il va être content, il va faire un sourire, il va faire si, c'est super! Et. Impeccable. C'est moi qui t'étais au courant pour les vannes. Mm-hmm. On se voit tout à l'heure? Ouais, pas de stress. Allez, on y va. À tout à l'heure, merci. Bonne journée à vous. Si, Pablo. Yo, Michael. J'ai acheté une 4x4, tu vas être content? T'as acheté un 4x4? Si, j'ai acheté une 4x4, une bonne proposition. J'ai acheté 20 000. Et c'est un Camacho? Non, c'est un petit 4x4. Un tout petit. C'est un. Comment. Il est pris en sobriété. Ah, ok. Un 4x4 sobre. Attends, il vient te chercher. On arrive. Ah, je suis à la maison. À la maison, il arrive. Ça a l'air des moins soucis que la moto. Ah oui, il y a moyen. Déjà hier, le 4x4, quand j'étais avec Ellie, la jauge d'essence un peu. Olé! Ça avait pas l'air. Sobriété! Sobre. Non? T'es pas d'accord? Attends, tu vas voir, il est me galé nickel. Ah oui. C'est beau. C'est bien, on appelle ça la parisienne. Allez, on valide comme ça, c'est bien. On fait ça? Si, c'est bien, impeccable. Et vous pouvez faire la petite réparation en même temps? Oui. Combien il vous doit? Juste pour la couleur, 2800. D'accord. Je vous compte pas la réparation avec. Ça, c'est Yandy. C'est quoi la plaque du véhicule? Les 00. Oui. Les néons, je dis ça. DMC. Violet. DMC. 195. Que ça donne au sol. 195. J'ai pas donné la bonne plaque. Ah. Ben, elle me demande ma plaque, moi ça me stresse. Il dit non, tu vas pas connaître ma plaque. Il a donné une plaque au hasard. Pas donné du tout ma plaque à moi, ça a beau quoi. Donc. Alors, j'ai pas trop touché la première page pour le moment. Toi, tu as mis les ventes. Si, donc les ventes, ça c'est bien. D'accord. Okay. En fait, tu veux, ouais, j'ai fait un truc vente. Si. Il faut encore que je la modifie parce que j'ai des petites erreurs. Donc, faut que je corrige tout ça. Mais en gros, ça va nous dire qui c'est qui a vendu quoi. Et ça le met dans le récap à droite. Type weed, cocaïne, méthamphétamine ou sac d'argent. Ok. Et t'as un carnet petite main aussi. Petite main, d'accord. Quand tu vois. Donc là, tu mets tous ceux qui bossent, en gros, pour nous. Si, avec les téléphones, etc. Si, ok. Il pense qu'on va faire que c'est toi qui a la partie des ça. Ouais. Ok. Et c'est toi qui va y aller les finances. Donc c'est toi qui va les distribuer à gauche, à droite. Ok, ça roule. Ah putain, il y a Al aussi qui est là. Il est chaud pour vendre. Si, bah. Est-ce que tu veux que Guigui s'occupe de ça? Uniquement à la fin de la drogue des levants. Dans un côté, c'est peut-être un bon point pour le tester aussi. Hein. Si, il pense, c'est juste que lui, il ne peut pas forcément entrer dans l'appartement. Mais, Il faut qu'on puisse... Après, si on est là, on peut ouvrir, non? Si, on peut ouvrir, si. Miguel. Si. Est-ce que ça t'intéresse de gérer en partie tout ce qui est gestion des petites mains des drogues ou pas? Non, du tout. Non, ça t'intéresse pas? Ah, ça me dérange pas, pardon. Ah, si, et on pense que ça peut être bien si ça t'intéresse. Donc, on va te l'envoyer aussi Al. Qui va t'appeler, okay. Il veut vendre. Donc ça te permet que tu vois tout le monde, tu donnes les mêmes sentiments. Si tu n'es pas là, ils peuvent venir vers nous, d'accord? Mais il aimerait bien que toi, tu prennes ça en charge. Ok, ça marche. Ok? Super. À toutes. À toutes. Celui-ci, je suis vraiment fan. Ça donne quand même un côté énervé, tu vois. Allez, fais chier. Faut qu'on amène Ellie. On va aller au rendez-vous. Il veut voir ça avec Ellie et Guillaume. Il ne sait pas s'il est là ce soir. Il y a 45 000. 45 000. Et il reste 50 pochons. C'est pas mal avec les blancs et noirs, il est pas mal. C'est con qu'il n'y ait pas une tête.
Peut-être faudra qu'on voit que la tête de mort, faut demander à Ellie ce qu'elle en pense. Ouais, bah, carrément. La tête de mort, je pense que ça peut être pas mal. Simogal ? Si, la claque, comment ça va ? Ça va et toi ? Si, ça va. C'est pour te dire qu'on va vous amener une cargaison ce soir. Bah, on t'attend au quartier. Pas de soucis. Okay. À toutes. Vas-y, à toutes. Va faire un tour pendant qu'on va chercher des produits. Tu laisses sur la radio, tu vas faire un tour à la mine. Tu vois s'ils ne veulent pas bosser. Yes. Ok. Et plus on a de monde qui bosse en même temps, mieux c'est. S'il faut, il fait 2 ou 3 ravitaillements par jour. Il veut que tu gères toute la partie drogue à terme. Donc, tu dois faire un réseau. Tu vois, des petites mains. Ouais, carrément. Il va falloir que je vois pour m'acheter un vrai véhicule aussi à l'occasion. On a une van qui va arriver. Et ça, c'est ton vélo ? Non. On continue de ravitailler les gars et on voit ça tout à l'heure. Ouais, on va chercher ça, continue de ravitailler les mecs avec ce qu'on a, il nous reste. Et on voit pour t'acheter un véhicule. Ok ? Ok, ça marche. Allez. Dis-moi, t'as dans combien de temps au quartier ? Oh, pas tout de suite, il monte dans le nord chercher la cargaison. Ok, est-ce que à la limite, parce que nous on va devoir bientôt partir, on t'avance les pochons pour soi et tu nous ramèneras la cargaison de tête demain ? On peut faire ça, il est. On a 300 pochons dispo là. Bon, il fait demi-tour, il arrive au quartier et, ouais. Et 300 pochons, il faudra qu'on amène 600 têtes demain. Ouais, c'est ça. Un peu plus des 600 têtes. On fera plus de retour. Si, c'est bon, on arrive. Ok, super. Par contre, s'il n'y a ni les vagos, ni les blanchisseurs, ça va être la merde. Ça va être compliqué, hein. Ah oui, là, ça va être très compliqué. Qu'est-ce qu'ils foutent ? 21h30, chaud quand même. Les papiers et mamie sont partis se coucher. Ah, ça doit être ça. Voilà, comment ça va saoulé. Salut, ça va et toi ? Oui, ça va bien. Du coup, on peut vous avancer ? Il y a tout dans le camion là, si vous voulez. Si, on l'amène demain. On va tout charger. Attends, il donne les clés. On se vend pour les clés, pas besoin. Et c'est ouvert. Ah, c'est bon. Et on vous doit 394 pochons. Et vous donnez ça demain. D'accord ? Okay. Ouais, pas de soucis. C'est bon, de soucis. Merci à vous, les vagos. Ouais, je t'en prie. Bonne soirée. Courage. Oula, il faut qu'on commence à mettre des sous de côté pour payer les vagos. Plus vite on embosse les vagos, plus vite on peut acheter un appartement pour toi et on peut stocker en double. Plus on a d'appartements pour le planquer, mieux c'est. Après, il faudra savoir qu'un jour, il va falloir qu'on y le vende pour trouver un quartier. T'aimerais qu'on s'installe, entre guillemets, dans le meilleur des mondes dans combien de temps ? Parce que c'est ça aussi, si t'as un objectif de temps, à voir si on temporiserait pas pour éviter de trop dépenser, au contraire, essayer d'économiser ou de mieux investir pour... Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être le banquier. Si, si, c'est toi le banquier. Oh putain, c'est dégueulasse. Toi, ah ouais, chaud. Tu as un coffre, tu peux accéder au coffre. 25 kilos. Il y a une chiotte, une chambre. Il reste du vomi sur le canapé, là. Ah ouais. Je suis pas seul qu'il faut acheter ça, c'est vraiment de la merde, non ? Bah, comme je te disais tout à l'heure, ça dépend quand est-ce que t'aimerais qu'on s'installe. Parce que si tu me dis on s'installe ce week-end... Non. Bah, ça sert à rien. Yeah. Non, mais c'est un exemple, tu vois, mais enfin... D'ailleurs, c'est que les personnes qui gèrent les business de la ville... C'est pour Léon Hill à mon époque, il s'appelait Léon Hill. Maintenant, c'est un cartel surpuissant qui s'appelle le cartel de la Fuente Blanca. Ok. Et c'est eux qu'il va falloir qu'on rencontre, qui peuvent nous donner un business. Pero, pour qu'ils nous rencontrent, il faut qu'on soit visible. Donc, plus. Mais tu veux pas t'installer avant de les rencontrer ? On peut même s'installer avant dès ce week-end, mais ça veut dire qu'il faut qu'on, dès ce week-end ou même avant, on ait une installation, les lieux, les rendez-vous. Faut qu'on revendique, mais aussi qu'on ait en termes visuels un visuel. Je pense qu'il faut qu'on envisage 2 possibilités en termes visuels. Les groupes principaux qui gèrent un peu comme la main, d'accord, un peu comme une main, les cinq doigts de la main, d'accord, les personnes qui vont gérer et qui ont un visuel. Et después, il y a tous les gens autour. Et ces gens-là, il faut à un moment donné qu'ils fassent un choix. Et qui trouve une visuelle qui se raccorde à nous. Si tu fais ça, ça permet que même tes petites mains, ils prennent un accoutrement qui ne correspond à nous. C'est pas eux qui gèrent les business. Moi, je pense qu'on peut envisager un noir et blanc, un bomber, c'est un peu comme toi là pour les gars qui bossent dans la loue. Okay. Ouais. Et un noir et blanc un peu plus classe pour nous. Ouais, carrément. Ouais, carrément. Et j'ai pensé qu'on peut s'appeler la mano. Mais ça sonne bien en plus. La main, non, la main. Et putain, il y a tapé une installation. Depuis le coma, je suis devenu une personne fragile. Ah, il y a Ellie. Elle en fait là. Elle m'a dit, vous êtes où ? Maison. Yes.
Bon, il t'explique. Plusieurs idées. Une idée des noms. La mano. Bon, on va trouver un autre nom. Attends, t'as dit quoi? Ah, t'as entendu, c'est pour ça. Une idée des noms. La mano. J'ai toujours pas entendu. Je vais me tous les oreilles, je reviens. Non, mais t'es encore retardé, moi y'a un peu plus. Faire une barnoute. Et on la voit plus en Basile en plus, je crois que c'est la première fois que je la vois comme ça. Si, t'habites ou pas à la regarder. Sinon, il va être obligé de te percer les yeux avec un couteau. C'est bon? Oui. Donc, il disait, on propose la mano. La mano, oui. Si. Est-ce que tu aimes ou pas? Oui, j'aime bien. Si. Moi, il est sous la main, vous êtes les doigts. Il y a la possibilité qu'après chacun représente une couleur, pero rouge pour les drogues et tout ça, si ils sont drogues, pero je pense que juste noir et blanc classe pour nous, et bombers noir et blanc pour les ceux qui travaillent pour nous. Ok. C'est pas mal ou pas? Noir et blanc, oui, c'est pas mal. Il faut qu'on ait fait les essais. Et donc, en termes de chiffres, quelqu'un qui travaille pour nous, il prend 50% de tout. 50%? 50% si. De tout? Si, s'il vend de la drogue, il prend 50%. Oulou. Non, tout va bien. C'était un doigt. Ça, c'est mon doigt de la main qui est tombé. Tout va bien. Y arrive. Sacré doigt. Oh, ça me rappelle le Dr. Cox. Ellie, tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Ah ouais. Oh, putain, on dirait le Dr. Cox. Eh, c'est comme ça? Non? Non. Moi, j'aime bien comme ça. Faut soit blanc, j'aime bien. Bah oui, c'est stylé. Allez. C'est pas les gars qui bossent pour nous. Si, c'est eux, c'est moi qui leur ai dit de venir. Et question, ils veulent bosser à plus long terme ou pas? Bon, je pense, je leur ai pas posé la question, je t'avoue. C'est pas l'occasion de recruter. Et à la base, ils étaient pas venus chercher des quoi bosser, eux? Si. Non. Il faut qu'ils soient payés, je crois. Très bien. Et bonsoir. Bonsoir. J'ai 6000 là pour vous. Je vous dois 1800, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça, ouais. Vous voulez vous faire plus de pognon? Non, mais c'est sûr qu'on dirait pas non. Ce qui est possible de faire, c'est d'envisager de nous rejoindre, de travailler pour nous à plein temps. Ça veut dire travailler plus, envisager le futur, un quartier, des possibilités de travail, la drogue, les armes, plus de risques aussi, mais plus de pognon. Tout ce que vous feriez pour nous, vous seriez à 50% pour vous. Moi, je vois pas d'inconvénient. Ok. Vous gagnez aussi en crédibilité, en identité visuelle. Pablo. Ils sont intéressés pour nous rejoindre. Par contre, je vous dis une chose. Si vous rejoignez la mano, c'est à la vie, à la mort. On ne sort pas des manos comme ça. C'est noté. Ok. Si aujourd'hui vous dites oui, c'est un engagement pour la vie. Et la mano, il y a deux possibilités. Vous verrez ceux qui sont habillés à la mano comme moi. C'est les membres de la main. Il y a ceux qui travaillent pour la main. Et vous aurez un tonneau. Pablo, non, je vais... change-les et ajoute-les sur les comptabilités. Explique-leur les tonneaux et comment ça va fonctionner. À partir d'aujourd'hui, ils vont passer les manos et ils vont bosser 50. Et vous ne vous cachez pas. Soyez fiers de porter les couleurs. Et quand on va prendre... Non, il n'y aura pas de problème. En place un quartier, on ne vous oubliera pas. On aura besoin de personnes pour faire les gestions. On va avoir besoin du monde pour tout. Ceux qui sont là aujourd'hui, c'est ceux qui resteront après. Donnez-moi vos numéros, les noms, les gars. Alors, moi, c'est Julian. Si. 99-42. Et Noah, c'est ça? Ouais, Noah, 67-62. Et puis, bah, merci pour la confiance aussi. Ouais, merci. Il m'a dit que vous bossez bien, que vous avez envie. Envie de vous investir, envie de gagner plus, envie d'appartenir. C'est bien. On grandit un peu vite. Il faudra qu'on prenne un quartier plus vite que prévu. Allez, c'est bon comme ça. Il faut qu'on vous refile du produit ou pas? Ouais, bah ouais, du coup, on a plus rien. Ouais, on va aller en chercher vite fait. Sans faut qu'on provisionne au moins de la moitié de la ville. Bon, bah, c'est parti alors. Je crois que c'est la première fois de ma vie que tu m'habilles comme ça. Il parle fort. C'est bizarre. Pas grave, ça y écoute. Tu conduis, Pablo? Bah, quand vous voulez. Salut. Ouais, mec. Nouveaux habits, je vois. Yes. C'est à qui qu'il faut que je donne l'argent du coup? Peu importe. Ouais, écoutez, j'ai 10 000 tourons. Vous faites combien vous? 35? 30? Je sais plus. 25, au début 25%. On avait pas dit 30 tout à l'heure, je crois que t'étais pas là toi, c'était avec Aïssi. Ah, vous avez dit que c'était occasionnel, non?
Si, c'est juste pour ce soir, mais Ice-T, quand on lui a parlé, il nous avait dit 30%. Ouais, bah, bien. Occasionnel, c'est 25%. C'est 25%? Mmh. Ah non, on nous avait dit 30. Ouais, mais c'est occasionnel. Tu viens plus souvent, ça sera 30. Non, mais c'est pas la question. C'est avant le deal, vous nous aviez dit 30, maintenant vous nous dites 25. Descends... Ah, il s'est planté, c'est 25. Descends d'un temps, par contre, quand tu parles. Ouais, non, il y a pas. Non, non, il était le dit qu'une fois. Ou tu descends d'un temps où ça se passe mal. Donc, tu dis quand t'as des 30%, il va te payer tes 30% et même te payer une commission. Il va te mettre un billet dans le cou s'il faut. Mais quand tu parles, parle pas mal aux gens. Essaye pas d'aller d'embrouiller. Non, il n'y a pas d'embrouille de mon côté. Si tu veux faire du business, on fait du business. Si tu veux pas faire du business, tu dégages. Tu as dit, c'est convenu 30% avec un des gars, il te paye les 30%. C'est nickel. Combien il lui doit? Bah, 3000. Écoute, on va faire une chose. Le manque de respect, ma part, tu la prends pas, t'inquiète. Tu la gardes. Y a pas de souci. Je réglerai ça avec lui. Il paye toujours ce qu'il doit. T'inquiète parfait. Pas. Moi, bon, tu me dois rien. Bon, moi, je suis là pour bosser. J'aime les relations. Point. Tant qu'on est là, c'est vous le boss, c'est ça, à gauche, Miguel. Si. J'ai des informations plutôt importantes qui peuvent vous intéresser, mais je peux vous les dire qu'à vous. Tu peux parler devant Ellie, tu peux parler devant Pablo. Ouais, mais ça concernait Lost, donc je sais pas si tout le monde doit être au courant. Il dit des choses normalement qu'une fois. Tu peux parler devant Ellie, tu peux parler devant Pablo. Je vais en parler à Smoke aussi. J'ai un contact avec les avec les Lost. Un mec avec qui je m'entendais plus ou moins bien. Et il m'a demandé des informations. Il m'a demandé des informations sur vous. Il m'a demandé des informations sur les Vagos. Moi, je vous le transmets. Les Lost cherchent à avoir des infos sur vous. Et vous en faites ce que vous voulez. Je sais pas s'ils veulent vous les mettre à l'envers. Je sais pas quelles sont vos relations. Mais moi, il m'a demandé des informations sur vous. Qui c'est des Lost qui a demandé ça? J'ai pas son nom, j'ai pas son prénom. Mais je l'ai vu quelques fois. T'as un numéro? Ouais, mais je peux pas te le donner par contre. Comment ça, tu veux pas le donner? Le problème, c'est qu'il sait que ça vient de moi, du coup. Moi, je l'ai dit pour que vous puissiez vous préparer. J'ai dit pour qu'il vous le mette pas à l'envers. Mais moi, si je vous le donne, je me mets dans la merde. Tout moi, je crois que t'as pas bien saisi la situation, là. Tes parents venaient pour faire du business, tu manques de respect, l'atomer des choses, et en plus, tu veux pas donner de numéro. Il y a un problème. On va parler, toi et moi. Non, non, mais la question, elle est pas là. Si, je te le dis, moi, je donne juste des informations. Si vous les voulez, vous les prenez. Après, c'est pas si... Tu vends pas les informations, tu viens... Non, je ne vends pas, je donne des informations. C'est ce qu'il te dit, il termine. Tu vends pas les informations, tu viens, tu pocaves les informations. Et tu donnes que la moitié. Moi, t'en as moitié d'informations, il sait pas quoi faire. Les Lost veulent créer une guerre. Donc la seule chose qu'il peut faire, c'est appeler les patrons des Lost. Et dire, écoute, il y a un petit gars qui s'appelle comme ça, qui est habillé comme ça. Qui me dit que vous voulez la guerre, vous cherchez des informations. Qu'est-ce qu'il va faire, les patrons des Lost? Il va me dire, mais tout là d'où? Il dit, mais tu sais, c'est une information des petits gars. Donc il va aller te chercher. Il va te prendre, il va commencer à te découper. Pour savoir d'où tu le sais. Toi, tu vas finir par le donner une fois que tu appelles un doigt, deux doigts, trois doigts, ou autre. Tu vas donner le nom. Et là, il va dire, ah, c'est un con, il bosse plus avec moi, ou ah, si, c'était un de mes gars. T'as plus d'intérêt à me donner le numéro, il trouve une solution. Toi qui vois, tu peux pas donner l'information, tu donnes pas, tant pis. Alex, t'en penses quoi? Moi, écoute. Je veux pas manquer de respect, tu l'as fait à ma place. Et j'aime pas qu'on fasse ça. Tu sais très bien que moi, le relationnel, c'est tout ce que je veux. Donc là, clairement, ma part, je te le dis, Miguel, tu la gardes. Moi, y a pas de souci. Par contre, toi et moi, on va discuter tous les deux. Ouais, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Là. Ouais, mais c'est pas grave. Excusez-moi, on va pas y passer la nuit. Ouais, ouais, information, tu prends le numéro. Je vais te le donner. C'est le 1694. Merci pour l'information. Et profite bien des 30%. Est-ce qu'on vous doit autre chose? Est-ce que tout est payé correctement? Non, c'est bon, nickel. Super, je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne soirée. Bonne soirée aussi. C'est pas un numéro qui est connu. Faut y avoir un signe, savoir qui c'est qui prend des informations comme ça. Parce que c'est ni le numéro 1, ni le numéro 2, ni le numéro 13 des Lost. Donc, c'est une personne associée. Si, Smoke, qui t'écoute. Bonne soirée. Non. Ah, c'est une autre là? Ouais. Ah si, c'est parce que ça sonne partout. Ah, oh, ouais, excuse-moi. Il appelle parce qu'on m'a rapporté une chose qui est un peu bizarre. Je ne sais pas si tout va bien chez les Lost, mais il y a une personne chez les Lost qui demande des renseignements et qui fait courir des bruits sur les Vagos.
Payne et nous, la mano. T'as son nom ? Il y a le numéro de téléphone. Ça te dérange de me l'envoyer ? Non, il te le donne tout de suite. 1694. 1694, ça marche. J'ai aucune idée de la personne qui fait ça. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est une personne qui se renseigne et qui pose beaucoup de questions. C'est une Poucave, carrément. Poucave, je ne sais pas, mais qui veut des... Elle a demandé un peu à tout le monde. Et elle demande des noms, comment font les Vagos, comment ils s'organisent, pour les Lost apparemment, parce que les Lost voudraient rentrer en guerre. Quoi ? Si. Donc moi, tout de suite, j'ai fait une chose, j'ai passé un appel, j'ai laissé un appel en absence, et je me suis dit, voilà, il est en balle à toi. Il t'a dit, c'est une question de business, tu vois pas pourquoi on discute hier soir et tout le monde personne pour chercher des informations. Donc, il te demande ce genre d'incohérence. Ouais, ça me paraît bizarre que je te cherche la merde et que je le sache pas. On est bien d'accord là-dessous, si. Et tu verras des hommes en ville qui ont un Bombers blanc et noir. Ouais. C'est des gars à moi. Bombers blanc et noir, ok. Si, qui est un Bombers avec un T. Plutôt stylé. Ça marche. Si. Après, si tu veux qu'il bosse aussi, je peux te donner des trucs pour bosser. Si ça t'intéresse de changer un petit peu de cam. Bien sûr, c'est important de travailler avec tout le monde. Tu me demandes combien tu veux, je te fournis. Mais là, cette info, je la garde et je te donnerai un truc gratos. Si, c'est pas... C'est cool. Ouais, mais je sais qui c'est, je le vois tout de suite, t'inquiète pas. Ok. C'est un vendeur. Super. Bon courage. Merci de l'info, en tout cas. Et t'en prie. Je t'envoierai ça. Les Lost, ils nous doivent un service. Ah bon? Si. Il lui a raconté l'histoire des numéros. Il va gérer. C'est quelqu'un chez lui et il va gérer. Monsieur Collins, bonsoir. Oh là là, mon père, comment vous allez? Bien et vous-même, mon fils. Écoutez, tout va bien, il n'a pas fait des bêtises aujourd'hui, je suis un homme nouveau. Ah ben, bah, c'est formidable. Si. Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous, mon père? Ah ben, bah, rien, c'est moi qui... Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Non, n'hésitez pas, c'est important. Quand vous avez un souci, quand il vous arrive des choses, vous appelez Tonton Miguel. Tonton Miguel, il gère comme une main tendue. C'est-à-dire ? Une main tendue qui est là pour vous aider. D'accord. Vous voulez venir prendre un petit café dans mon bureau, Monsieur Miguel, éventuellement ? Non, c'est bon, il vient de pas le dégoulier, c'est gentil. Il vous dit juste ah non, mais non, mais comme ça on aurait pu parler. Si, vous avez des choses à me dire ? Éventuellement. Et vous suit ? Depuis votre coma, tout va mieux, vous vous réacclimatez ? Si, j'ai vite repris mes bonnes vieilles habitudes. Ouais, Miguel. Si, et Smoke, il est là, si tu veux voir avec lui pour qu'il mette les camions à ton nom. Tu appelles Smoke de ma part, tu dis que tu viens pour les camions et que c'est vous avec moi. Ça roule. J'ai repris mes bonnes habitudes, mon père, vous savez. Ah, je commence un petit peu à comprendre. Vous êtes en relation avec Monsieur Neil, c'est ça? Si, mais pas que. Il fait du business, vous savez. On fait appel à moi depuis longtemps pour tout ce qui a trait à tout. Vous d'accord. Vous avez un problème à régler, vous souhaitez des marchandises spécifiques, vous voulez faire des choses, vous faites appel à Tonton Miguel. Bon. Alors, j'aurais besoin de Tonton Miguel pour quelque chose. Si, dites-moi. Voilà. Alors, déjà, sachez que je suis devenu, depuis hier, directeur adjoint ici. Directeur adjoint, si. Voilà. Et donc, en fait, il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est la sécurité des médecins en ville. On sait que parfois, il peut y avoir des zones de combat, des zones un petit peu plus chaudes. Si, des quartiers plus compliqués. Voilà, des quartiers plus compliqués. Et j'ai pas envie que la police se serve des médecins pour rentrer dans ces quartiers, et je n'ai pas envie que mes médecins soient en danger si je les envoie. Vous me comprenez ? Si. Donc, je pense qu'on peut se rendre service mutuellement, Monsieur Miguel. Vous assurer la tranquillité de mes médecins, dire qu'ils ne sont pas obligés de venir par deux ou de venir avec la police. Et puis, voilà, moi, en échange, j'ai aucune difficulté à venir vous soigner, vous, personnellement, au besoin. Il n'y a pas de raison. Il faudrait être une débile pour s'attaquer aux médecins. Bon, vous savez, on a eu des soucis il n'y a pas longtemps, donc... Qui c'est qui vous a posé des soucis ? On a eu une tentative d'enlèvement, voilà. Mais c'est réglé. Venant de qui ? De personnes mal intentionnées, mais vous inquiétez pas, c'est réglé. Moi, il faut que ces personnes-là ils comprennent. Si elles ne savent pas qui c'est, Ça, ça y est. C'est-à-dire que les médecins n'ont pas à paniquer d'aller dans un quartier. Mais de l'autre côté, ils prennent votre numéro et quand il y a un besoin spécifique, ils vous appellent. 78-49, mon fils. Top. Merci à vous, mon père. Et donnez le numéro à mes associés. Si vous avez un problème, ils vous appelleront. Aucune difficulté. Mais encore une fois, je ne veux aucun danger pour aucun médecin. Il n'y aura aucun danger. Ah,
Monsieur Miguel. Si, dites-moi. Éventuellement, si vous avez connaissance d'autres personnes, sachez que j'ai déjà le même accord avec messieurs Delos et messieurs avec monsieur Neil. Donc si vous avez d'autres amis, et vous les envoie. Voilà, histoire que tout le monde soit d'accord et que voilà. Ici, je veux que cet hôpital, ça soit la Suisse, la neutralité. Je veux vous soigner, vous, comme je veux pouvoir soigner le commissaire, sans prendre un coup de couteau ou une balle de quiconque. C'est bien, impeccable. Bonne décision. Merci à vous, mon père. Vous en prie, mon fils. Attention, il y a un poteau. Il est fou. Salut, Smo, comment ça va? Mal, mais toi, Yomano. Pourquoi mal? Ouais, je sais pas, on me dit comme quoi il y a des types qui ont fait de la merde, là, avec toi. Ah, si. Petit enculé, là. C'est un homme qui s'est mis à faire tout seul, il s'est mis déjà à papoter, il papote beaucoup. Et j'ai juste compris qu'il t'a manqué de respect, grosso modo, de ce qu'on m'a dit. Si, moi je m'en fous, il fait sa vie. Non, c'est juste qu'il... Il va plus bosser ni pour les Vagos, ni pour toi, et puis il ira bosser à la mine, et puis c'est tout. Nous, on est en train de s'établir, si tu vois des mecs avec des bombers blancs et noirs, c'est normalement qu'ils sont de chez nous. Ok, ça marche. Si tu entends parler de la mano, c'est nous. You Terror, le Seigneur Terror, ça se passe bien avec lui. Il est pas... Quand tu discutes avec lui intimement, ça se passe bien. Il est où pour un souci, une personne qui cherchait les informations pour tout le monde. Vraiment, les vagos... D'ailleurs, faut que je rappelle Yakono. Si. Il m'a appelé juste avant que tu m'appelles, j'étais en discussion, j'ai dit que je rappelle, il me dit ouais c'est urgent, rappelle-moi. Donc, oh là là. Je te rappelle dans 5 minutes, c'est bon. On va peut-être pas arriver jusqu'en haut. C'est pas ça. Oh non. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Il est couché les 4x4. Oh putain. Tu peux venir pousser? Je t'envoie quelqu'un. Starful là. Ah c'était mon visage. Il va conduire. Ah ouais, vas-y, attends. Non, faut arriver à tourner. Ok, vas-y. Attends. T'as bien sur le côté. Accroche-toi. Non, le côté, pas derrière. Oh là là, oh là là. Ça, c'est derrière. Ok. C'est bon. Oh là là. Merci. C'est un tour. C'est un tour. Merci à vous, c'est sympathique. Encore désolé, hein. Non, c'est tu normal. Comprendras. C'est... Qu'est-ce que vous faites dans le coin? T'es venu pour nous aider? On vient t'aider. On nous a dit, va aider. Nous, on va faire une balade en forêt. C'est gentil à vous, les gars. Ok, pas de soucis. Merci. Salut. Si, Payne, t'écoute. Ouais, salut, Miguel. Rendez-vous comme la dernière fois pour le transfert. Je suis dispo. Si. On termine un chargement. On n'a pas pour long. Et derrière, okay. On voit ça. Est-ce que tu veux venir dans notre quartier, qu'on te fasse visiter? Ah, vous êtes installé quelque part, ça y est. On s'installe, si. Il me dit qu'à un moment donné, c'est bien de faire le business, mais plus vite on s'installe, plus vite on s'avoue par la Fuerte Blanca. Et plus vite on prend un quartier que les gens les voient, plus vite on est visible et aussi c'est une possibilité de business. Bon, il t'envoie la position. Ok, et puis on passe à ce moment-là. Si, on fait ça. À tout à l'heure. À tout de suite. Au revoir les lits. J'arrive. Attention, il redescend en marche arrière. Attention, c'est un tour. Mais comment c'est possible ça? Non. C'est bon, je suis un génie, Et là, on tombe sur la police. Oh non, pas de malheur. Bonjour, c'est livraison. Ça va quoi? Uber Dope. Si, on a eu un petit problème à l'aller, mais c'est bon, c'est réglé. Et on a les 1000. Ok. On nous avait avancé 400, donc ça fait 800 en tout, plus 200 des 20% de vous, donc ça fait 1000. Impeccable. Merci à vous. Nickel. Bah, merci à vous. De rien. Allez hop. Donc, les maisons ici, on va faire libérer des Yantimans et passe des Yans donc au-dessous. On a tous les accès au-dessous pour libérer 4 maisons. On a tout en face un tour qui est une morgue. On a un petit point là et on a un point derrière caché. On est pas mal là. Bon là il pleut. Ouais, carrément. Il pleut mais bon.
avec la fontaine et tout. On a une petite fontaine, si, si, ouais, si, on est bien ici. C'est sympa ici. Tu veux valider le principe que tous les 90, 65, 63, 64, 60, c'est chez nous. Il y a un commissariat en face, un commissariat désaffecté, les BCSO, il y a un parking, il y a même la fourrière. Il y a une morgue. Il y a une morgue, ça c'est pratique. Il y a une morgue en plus. C'est une morgue ça. Ah ouais, chaud. On va être bien ici, comme ça si vous nous cherchez, vous savez qu'on n'est pas là. Il aime bien ces petits... ces parcs. Oh ouais, c'est grave stylé. Il y a un motard qui essaie de s'enseigner sur tout le monde, toi inclus. Et il vous ça avec les seigneurs Teller, c'est réglé. Il s'en occupe. Ok. Bah là, ils veulent me voir. Donc... ok. Bon courage à toi. Si ça va pas, tu appelles. Ouais, ça devrait aller. Pas de soucis. Bon courage à vous et merci. Ça fait toujours plaisir. Ouais, de même. Plaisir partagé. Ouais, bon courage. Je vois que vous êtes à mort en ce moment aussi depuis que vous êtes arrivé. Si, on bosse dur et toi, on peut appuyer sur un quartier, c'est ça qui est bien. Allez hop, à la banque. Merci à vous. Bonne soirée les gars. Et bonne soirée. Allez hop, on va au rendez-vous. Bon, il pleut, c'est la merde, mais bienvenue à la maison. Merci. Du coup, je peux te parler? Si, c'est possible. Bon, soit tu peux emmener Ellie si tu veux avec, mais... Et Pablo aussi, c'est pas un souci, il va savoir. Bah je vais passer souvent ici. Pourquoi tu vas passer souvent ici? Bah parce que... t'es à côté de ma transfo. Y arrive. Ellie? Oui? Ça pouvait pas être aussi simple. Viens voir, venez voir tous les deux. Vas-y, smoke ready. Vous êtes quasiment sur ma transfo en fait. On a choisi des quartiers où il y a sa transformation. Ouais, chaud. Ah. Bah, j'ai envie de te dire, les Lost ils sont dans mon quartier, donc les Lost ils transforment dans mon quartier. Ok, c'est pas un souci. Sous le merde. Parce que nous, le quartier, on l'aime bien. Bah ouais, je me doute. D'accord, et toi t'as tout... Mais c'est pas un souci. On bosse bien ensemble et tout va bien. Ouais, non mais je suis d'accord. Mais je préfère te prévenir, tu vois. Tu vas avoir des 4x4, des trucs, des passés, des types passés souvent, tu vois. C'est pas un souci, ça sert des vagos. Est-ce que tu veux nous monter où c'est là, où c'est, afin qu'on sache et qu'on panique pas? Ouais, viens, je te montre. Tu vois la cour, le mur orange là-bas? Si. C'est là-bas. Merde, plaît-vous de bosser là-bas. Ok, c'est pas un souci. Alors, de toute façon, on rentre que par 90-60 ou 90-64. On rentre pas par 90-65, tu vois. On fait pas le grand tout court. On prend que les deux petites ruelles pour rentrer et pour sortir. Si. Ok. C'est pas un souci. C'est amené à disparaître ou à bouger, c'est pas un problème, je pense. Non? Super. Allez, merci à toi. Ouais, pas de souci. À demain. À demain. On n'a pas des chances. Je peux proposer quelque chose qui risque de, aujourd'hui, pas plaire, mais plus tard, potentiellement, être bénéfique pour nous. Si, dis-moi. Bah, techniquement, on le tient par les couilles, là. On sait où est son champ, on sait où il transforme. Si on veut, demain il fait plus rien. Si. C'est ici son truc. Donc ça serait là, derrière les trucs, il dit. Tu veux que j'aille voir? Bah on va aller voir si. Oh! Oh putain, Miguel, il y a plein de weed. C'est bah oui, c'est compliqué qu'il y a plein de weed. Il comprend pourquoi ça n'arrange pas. Ouais, je comprends aussi. Ouais. Bon, cassons-nous. On est chez nous, mais quand même. De toute façon, on n'a aucun intérêt de se mettre mal avec les vagos. Ah bah non. Ils nous ont tendu la main, tout va bien. Donc il faut qu'à partir de demain, on fasse attention aussi qu'il n'y ait que les vagos qui viennent là.